Dans la journée, ils ont fait pas là. C'est pas péché, hein? Il a légalement marié sa femme. Or, s'il n'y a pas histoire, il ne va pas venir à la maison. Il va tout y remettre après. Or, le monsieur, c'est là-bas, il dépense. On joue un match d'Aguina. Vous connaissez d'Aguina? Non, on appelle d'Aguina. Mindset, la sec. C'est ce qu'elle mange. Oh, l'autre, c'est poulet là-bas, hamburger, pizza. Les gens de Dieu, là, ils s'amusent pas. Elle est celle qui mange. Elle oublie de faire restaurant, tout ça, dehors, manger, chic. Or, au soir, c'est d'Aguina. Ça, c'est rendez-vous en bas. Hein, Denis Kachia. La femme, lui a donné 1 million à la dame. C'est normal, les gens dépensent beaucoup. Elle trouve que c'est pas suffisant. C'est pas beaucoup. Elle amène le monsieur. Et elle demande encore 1 million 500. Le monsieur donne 500 000. Elle fait palabre. Et dans palabre, elle va prendre le pot de fleurs pour casser sur la tête des adultes. Il a tout compris. Il est parti. Quand il est arrivé à la maison, il avait un spirale sur son front. Elle m'a appelé, dit c'est bon. C'est moi qui ai fait ça. Il dit ne dis rien. Si tu parles mal au monsieur, il va reculer. Ne dis rien. Oh, les hommes sont orgueilleux. Il ne veut pas parler, le orgueilleux. Dis. Il dit laisse son orgueil. Toi, rabaisse-toi. Dis, monsieur, je vais te masser un peu. Là, il ne va pas t'expliquer tout ce qui est le problème. Elle cherche à prendre le dur, le orgueilleux, de toute façon, elle le masse, elle arrange, maclatonne un peu dedans, elle fait manger. Il constate que ma femme est gentille, hein? Malgré les conneries, elle est comme maquette. Et dans le lit, elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler pour dire non, vraiment, je te reconnais, c'est toi-même ma vraie femme. La femme de Dieu, c'est une sorcière. Jouez le pouvoir qui est en vous. Amen. Ce qui est en nous est plus fort de ce qu'il a dit. Vous voyez ça? Pourquoi vos maris vous trompent? Vous êtes vous trompent? Vous êtes vous trompent? Rien n'est que Dieu. Que Dieu nous aide. Il y a trop de choses qu'on doit savoir. Amen. Il y a trop de choses. Nous allons tenir debout. Il va commencer à prier pour dire Seigneur, je veux que tu m'établisses. Alléluia. Amen. Il va commencer à demander au Seigneur de t'établir dans la grâce et dans la bénédiction. Nous prions le Seigneur. 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 Merci Jésus. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia, merci. Nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu es vivant. Alléluia, merci. Parce que tu es puissant. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te célébrer. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es vivant. Alléluia. Je veux m'occuper de ça à partir de 4h du matin. Il faut te dire que tu es vainqueur. Dis amen. Amen. On ne va pas écouter. C'est à 14h du matin, on va les écouter. Nous sommes dans un esprit de combat ce soir. Amen.
Alléluia, il faut que Dieu fasse tomber nos sorciers. Amen. Ça, là, il appelle ça à la maison. Moi, je sais comment il est fait à partir de 1h du matin. Il a commencé à gérer vos sujets. J'ai réuni avec ça à 4h du matin. Et puis, j'ai posé la propriété devant vous. Il faudrait que vous repreniez cette position. Vous savez, quand Dieu nous crée dans une famille, il fait de nous une source de bénédiction. Amen. Ouais. Avec toi, tu es une source de bénédiction. Et c'est ce que l'ennemi n'aime pas. Alléluia. Amen. Je vais te faire asseoir sur le trône. Quand on va finir de détruire la sorcellerie, nous allons parler à la terre. Nous allons parler. Nous allons faire une action prophétique. Amen. Amen. Nous allons faire une action prophétique. Vous savez que le samedi, c'est le 4. Or, vous savez que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Amen. Les chiffres, vous devez connaître. Ce n'est pas qu'on fait les choses. J'entendais une petite fille, elle dit, je ne connais pas mon âge. Je suis choqué. C'est comme tu es comme un animal. Vous marchez, vous ne savez pas ce qu'on fait lundi. Amen. Est-ce que vous savez que lundi, mardi, tout ça là, les gens, c'est un calendrier romain. Ça porte le nom des astres. Lundi veut dire lune. Mardi veut dire Mars, la planète Mars. Mercredi veut dire Mercure. Jeudi veut dire Jupiter. Samedi c'est Saturne. Dimanche, Dieu soleil. Donc chaque jour correspondant à un esprit. Correspondant à un esprit. Donc on dit lundi, il y a un esprit qui vient. Il y a des choses qu'on doit vous enseigner. Je vais commencer un peu à enseigner sans arrêt. Et puis après, j'ai arrêté. C'est des choses qu'on doit vous enseigner. Amen. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Il faut qu'on vous éclaire beaucoup de choses. Sinon, on ne peut pas chercher femme de quelqu'un. On ne peut pas aller prêcher. Là, ce n'est pas bon. Non, tu sais. Il y a des choses que tu ne sais pas. Le soleil sort comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tellement, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Or, Jésus-Christ n'a pas pu chasser les démons. Jésus aussi a parlé à la nature. Celui qui voit ça comme mystique, c'est qu'il a raté de beaucoup de choses dans la Bible. C'est un corbeau qui est venu manger à Élie, un oiseau. Entré dans les mystères. Comment un oiseau envoie un homme. Amen. Il y a des choses. C'est-à-dire, dépasser cette histoire de chrétienté bizarre. Oui, chrétien, bizarre, attaché voile. On ne met pas, vous verrez. Jip long, jip. On est moine. Ça ne fait rien aux gens. Ça, c'est les pharisiens. Ils ont l'apparence religieuse. On voit, mais le cœur. Est-ce que ton cœur est voilé? Tu vois là, tu ne vois pas pécher. Péché, des yeux, il n'y a pas là. Moi, je ne touche pas ici, je ne parle pas de doctrine. Quand j'ai touché doctrine, il y a des pasteurs qui descendent comme ça. Il y a une licence en théologie. J'ai fait 3 ans, j'ai assis en train d'étudier la Bible. Amen. Je connais grec, je connais hébreu, je connais l'araméen. Mais je suis dans les mystères, je suis prophète. Amen. Je suis comme professeur de mathématiques et français. Le jour, il se trompe de cours. On dit, s'il te plaît, tu es un professeur de mathématiques. Moi, c'est des maths. C'est cahier de maths qu'on a ici. Donc, moi, je suis professeur. En action prophétique. Amen. Mon ministère, vous ouvrez les yeux sur beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Laissez-moi aujourd'hui m'occuper de vos sorciers. Ce que j'en ai dit là, c'est pas amusement. Rarement je parle de ça comme ça. Mais le mois l'important, c'était le mois, le 7e mois de l'année. Il faut dire sur le 3. Or, le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Or, vendredi, c'est le chiffre de la grâce. C'est 5 jours. Tu peux connaître tout ça. Ils ont arrêté Jésus quand? Ils l'ont tué quand? Ok. Il y a des choses que je veux connaître. Amen. Comment il me lève un matin, j'ai réfléchi. Les dates. Les gens disent non, pourquoi les... Dieu c'est un grand ignorant. Pourquoi Jésus vient, il prend 12 disciples? Il ne se trompe pas. Pourquoi il y a 12 tribus d'Israël? Arrêtez vos conneries.
Pour la main 7 fois éternel. Pour la main Dieu 3 fois 7. Je vous reconnais à vous-même dans une histoire de chrétienté bizarre. C'est plat. Puis les vestiges vous dominent. Et ils maîtrisent les choses ou ne maîtrisent pas les choses. Où on doit avoir la victoire, où vous échouez là-bas. C'est pour que vous évitez ça. Amen. Si c'est une école. Voilà, c'est une école de mystère. Soit la preuve beaucoup de choses. Le ciel en ayant ça. Jean 3, le verset 16, à tous ceux qui l'ont reçu, et là dans le pouvoir de venir en forme de Dieu. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui de plus. Qui est la vie éternelle? J'ai pourquoi je dis la vie éternelle. J'ai cru en lui de la vie éternelle. Mais la seule chose que je dois avoir, c'est posséder la terre. Or, pour posséder la terre, il faut avoir des connaissances. Ouais. Alléluia. Amen. Comme je disais, il y a une manière de consacrer une maison. Quand vous allez dans un quartier, vous consacrez le quartier. Ça veut dire le quartier doit te reconnaître. Le quartier doit savoir qu'il y a quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi, quand je vais dans un quartier, je consacre. Et puis, je dis au quartier, il y a un ministre de Dieu ici. Si vos maladies bizarres, tu n'as pas venu chez moi. Vous prenez tout à la légère. C'est-à-dire, vous n'associez pas la spiritualité dans tout ce que vous faites. Je dois prospérer dans le quartier. Non. Parce que les esprits des quartiers. Il y a les quartiers et les esprits. Tel que les psychologies là. C'est des voyous seulement là-bas. Tout le monde connaît ça du linge. C'est un esprit. Il y a les quartiers quand tu es là-bas là. Il y a un esprit de pauvreté qui vient chez toi. Or, pour ne pas que l'esprit t'attaque, il y a des choses que tu dois faire. Pas à l'église, il y a des gens qui n'aiment même pas qu'on prenne l'huile sainte. Oh, c'est biblique. Il y a des églises qui n'aiment pas ça. Pourtant, au temps de Jésus, quand vous lisez dans Marc, le chapitre 6, le verset 13, les disciples ont utilisé ça. C'est ça. Ne vous fiez pas à la doctrine. Parce que les dogmes, là, dans l'église, les dogmes vous maintiennent dans une captivité. Et vous enseignez ce qui est leur système. Vous êtes dans leur système. Vous avez l'impression que non, celui qui est meilleur, l'autre n'est pas meilleur. La Bible, elle est profonde, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire la vérité. Celui qui dit qu'il connaît, il ment, il ne connaît pas. À chaque homme de Dieu, Dieu nous donne un remarque. Celui qui dit qu'il connaît, il ment. Tu vois, quand je vois les pasteurs, d'autres pasteurs en train de jouer les camarades, je les prends pour des sorciers. Quand tu ne connais pas quelque chose, ferme ta bouche. Amen. Quand tu ne connais pas, ferme ta bouche. Il n'y a pas le meilleur pasteur, il n'y a pas super. Non. Sur Internet, il y a une chaîne qui dit télévision Jésus. Et ils sont là pour sermonner tous les pasteurs. Ça, ce n'est pas une chaîne chrétienne. Parce que l'église doit. Si toi, tu penses que l'église affronte le. Et puis lui expliquer ce qu'il fait n'est pas bon. Que de créer une église, une télévision. Or. Il y a des secrets, moi je sais si les pasteurs de Côte d'Ivoire que je n'ai jamais livré à la nation. J'étais à Grand Laou en 2009, quand un pasteur est venu me voir pour dire qu'il faisait partie d'une communauté de pasteurs en Côte d'Ivoire qui est sorti. Je ne croyais pas ça. Il allait filmer leur cérémonie, m'envoyait le film que j'avais. Toute la Côte d'Ivoire voulait ça, je n'ai jamais donné. Parce que je ne veux pas livrer l'église. Non. Que le scandale arrive, mais malheur par qui? Quand vous voyez un pasteur en train de critiquer, pour te critiquer notre pasteur, il n'est pas de Dieu. Parce que le monde va se servir de ça pour attaquer l'église. Il y a des gens qui créent leur chaîne de télévision sur Internet pour attaquer les pasteurs. Il dit ça, c'est démon, ça c'est le travail de Satan. Quand vous regardez dans le livre de Jude, dans le Nouveau Testament, le jour que Michael a affronté Satan, il n'a même pas injuré Satan, il dit que l'Éternel te châtie, s'occupe de toi. Est-ce qu'on m'a bien servi? C'est ça que moi, il rentre pas dans l'histoire des pasteurs. Il n'a qu'à le comment. C'est quand il commence à m'attaquer, je lui montre un peu ce qu'il est. Il dit qu'il est devant moi. Je n'ose même pas parler de ton église, ça ne m'intéresse pas. Mon combat, ce n'est pas contre toi. Oh, il y a des gens, leur combat, c'est contre les pasteurs. Le pasteur ne prêche pas bien. Il n'est pas dédié. Qu'est-ce qu'il te fait dire ça? Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Vous savez comment moi, il a connu Jésus? Moi, j'ai vu Jésus, j'ai vu un pasteur un jour, sur Internet.
Dis-lui, toi, tu m'insultes. Tu as déjà vu Jésus? Tu as vu Jésus? Tu as fait vu Jésus? Moi, j'ai vu plus de 20 fois Jésus. Amen. Donc, comme il dit, vous faites, oui, je suis appelé, je suis appelé, je suis appelé. Toi, tu as appelé. Tu sais ce qu'on appelle appelé? Laissons ce côté-là. Tu as tellement écrit que tu connais mon appel. Tu sais quelle alliance existe entre moi et Dieu? Toi, tu viens m'attaquer. Bêtement. J'ai commencé à le maîtriser, lui donner la révélation de moi, mon alliance avec Dieu. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il faut fermer ta bouche. Ferme ta bouche. Parce qu'il y a des têtes fétiches. Donc, je suis satanique. En quoi c'est mauvais quand des têtes fétiches? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Ayez la connaissance. Amen. Ayez la connaissance. Recherchez la connaissance. Quand vous maîtrisez certaines choses spirituelles, aucun sorcier ne peut vous écraser. Amen. 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 Et ils savent que vous êtes chrétien. Ils savent qu'ils ont le salut. Mais ils savent que vous ne maîtrisez pas beaucoup de choses. Ils savent ça. Ils savent ça. C'est nous, on a commencé à parler de l'aurore. Puis les gens ont commencé à comprendre. C'est moi qui ai envoyé le message sur l'aurore. On a commencé à parler de l'aurore à 4h du matin. J'ai donné la révélation chrétienne. On dit, voici l'aurore. J'ai commencé à parler. C'est moi qui ai commencé à parler de ça. Il y a toutes les choses qu'on avait de connaître en tant qu'église. Frère, qu'on a Jésus, là, Dieu, là, on a tout le ciel avec nous. Amen. On dit amen. Amen. Nous sommes en tant que quelqu'un. Quand je regarde, vous savez, quand tu voulais la grande connaissance spirituelle, quand vous regardez un autre, vous savez que les sorciers, là, comme ils connaissent des choses, ils vous regardent en connerie. C'est ça qui veut vous manger. Quand vous avez des grandes connaissances spirituelles, quand vous voyez l'homme ne vous dit rien. Soyez la recherche de la connaissance. Si vous voyez un sorcier aujourd'hui qui ne veut pas changer, c'est que Dieu veut le châtier. Que Dieu obéisse. Amen. Il ne veut pas que vous soyez des hommes endoctrinés. Soyez ouverts. Ne soyez pas les qualités fermées. Non. Moi, je touche à tout. Je lis tout. Je n'ai pas peur de lire les rues de la rose. Je n'ai pas peur. Parce que je dois connaître pour les attaquer. Quand j'ai commencé à attaquer les francs-maçons, je suis rentré sur les sites, ils m'ont envoyé stop, avertissement pour dire on ne rentre pas sur ce territoire. Sinon, j'ai compris. Je me suis retiré aussi. Parce qu'il faut connaître celui qui est en face de toi. Ton ennemi, vous les maîtriser. Que Dieu nous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Cette nuit, il y a beaucoup de choses à se régler. Je vais prendre la chose. Et puis, il y a réglé votre chose. Amen. Je suis là pour ça. Amen. Quand quelqu'un vous amène, venez me voir. Amen. Et dans le cadre de ton service, viens me voir. Amen. 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 Viens me voir. Soyez bénis. Amen. Amen.